Lorsqu'il y a quelques semaines de cela, nous avons réalisé une émission dont vous vous souvenez certainement et qui avait trait aux vaccinations. Beaucoup d'entre vous ont été sensibilisés par la présence d'un invité qui, vous vous en souvenez également, avait fait quelques réserves concernant les vaccins et leur application. Il s'agissait de Monsieur Marchesseau. Monsieur Marchesseau, que je vous avais présenté alors comme étant le président de la Fédération nationale des naturopathes. Vous avez été nombreux à nous écrire pour nous demander, et c'était bien normal, qu'est-ce que la naturopathie, et vous nous avez demandé également de faire une émission. Eh bien, le moment est arrivé, nous allons parler aujourd'hui de naturopathie, et je vous présente de nouveau donc M. Marchesseau, avec lequel nous allons parler non pas de vaccin, mais de cette discipline dont il se fait le promoteur en France. Et puis, nous avons avec nous également un membre du Conseil de l'Ordre des médecins que vous connaissez également, il s'agit de Dr Moulin, dont la mission aujourd'hui sera surtout de contrôler les déclarations de M. Marchesseau et en tout cas de vous faire connaître ce qu'il faut penser de la naturopathie et de ce que la loi et le Conseil de l'Ordre des médecins pensent de cette discipline. Alors, bien sûr, vous avez, je vous le disais tout à l'heure en commençant, été nombreuses à nous écrire et il y a avec nous aujourd'hui, autour de Christine Cardinal, nos amies téléspectatrices. Mais il y a également aujourd'hui un téléspectateur, car, une fois n'est pas coutume, vous avez été nombreuses à nous écrire, mais il y a eu aussi beaucoup de messieurs pour nous écrire, beaucoup de téléspectateurs. Alors nous avons pensé qu'il était nécessaire aujourd'hui de faire parler les hommes. Bien oui, à côté de moi, tout à côté de moi, Madame Mercier. Madame Mercier est très intéressée, je crois, par la naturopathie. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette émission, Madame ? Bien parce que je ne connais pas exactement la différence qu'il existe entre la naturopathie et la diététique. Oui. Et j'aurais aimé savoir exactement quelle différence il existait. Vous avez l'intention de pratiquer, de devenir une adepte de cette hygiène alimentaire ? Peut-être, si je suis séduite, oui. Vous êtes tentée toujours ? Un petit peu. À côté de Madame Mercier, Madame Foinon. Madame Foinon, elle, est tout à fait au courant, elle sait très bien de quoi il retourne, puisqu'elle pratique la naturopathie. Voulez-vous nous expliquer dans quelles circonstances, Madame, vous avez rencontré la naturopathie ? Eh bien, j'ai été malade et j'ai connu un hygiéniste qui m'a conseillé. Et j'ai retrouvé, je pourrais dire, la santé grâce à cet équilibre qu'il m'a redonné, enfin il m'a guidé dans un équilibre alimentaire qui m'a redonné la santé. Vous étiez très malade. Ah oui, très malade. Vous m'avez dit tout à l'heure quel était votre poids à cette époque. 36 kilos, je faisais à peu près 36 kilos parce que j'avais fait des bêtises, aucun médecin n'arrivait à me soigner. Alors j'avais essayé par moi-même, naturellement j'ai fait des bêtises, oui. Parce que je ne pouvais pas. Et cet hygiéniste m'a bien conseillé. J'ai retrouvé un équilibre à tout point de vue. Et cela se passait il y a combien de temps ? Une année à peu près. Il y a à peu près une année, oui, de cela. Monsieur Nuccio, lui, sans raison, pratique cette hygiène alimentaire, sans raison spéciale, je veux dire. Vous n'avez pas été malade, vous n'avez pas voulu vous sauver d'un grave péril, monsieur. Non. Pourquoi est-ce que vous pratiquez cette hygiène-là ? J'y suis arrivé par une recherche personnelle et surtout après la lecture d'un bouquin qui s'appelle quelque chose comme « Les compatibilités alimentaires de Shelton » et qui explique le fonctionnement de la digestion et qui par là pose un certain nombre de conclusions qui m'ont fortement intéressé et que j'ai appliquées. Mais que j'ai appliquées un peu trop brutalement. Ce qui m'a amené à voir un naturopathe qui, lui, m'a conseillé et m'a tempéré, quoi. Et surtout, m'a expliqué qu'il était très difficile de se connaître, donc de trouver le régime qui nous était approprié, d'abord à chaque individu et en plus, selon les circonstances de la vie. Cette rencontre avec ce livre de Shelton remonte à quelle époque ? Un an et demi. Et vous voyez un naturopathe depuis combien de temps ? Oh, il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou quelque chose comme ça, quoi. Mais j'en ai entendu parler un peu avant, j'ai suivi un certain nombre de conférences, et philosophique, et traitant d'un certain nombre de choses, mais qui toutes se rejoignent, quoi. C'est toujours pareil. Madame Pinson, vous aussi, vous êtes une adepte de la naturopathie, et je crois que pour vous, l'aventure commence par une grave maladie de votre mari. Oui, il y a 4 ans que nous connaissons la naturopathie. Pour remonter un peu plus loin, mon mari a pris une première crise de goutte il y a 8 ans. De goutte ? Oui, c'était la première. Et la situation s'est détériorée de plus en plus chaque jour. Et au bout de 4 ans, il était arrivé à avoir des crises à la fréquence de 1 ou 2 par semaine. Oui. Je vous laisse à penser dans quel état il se trouvait. Oui. Il avait consulté des homéopathes et des allopathes. Évidemment, les uns comme les autres arrêtaient la crise, mais ils ne supprimaient pas le mal. La crise revenait. Nous ne savions plus à quel saint nous vouer. On nous avait enseigné différents
Je ne trouve plus le mot. Soufflez-le-moi. Spécialité. Des trucs, des... Des guérisseurs. Des guérisseurs. Nous n'avons voulu en voir aucun. Jusqu'au jour où on nous a conseillé un naturopathe. Et les renseignements fournis sur ce monsieur étaient tels qu'ils nous ont incités à aller le voir. Pourquoi n'avez-vous pas pensé qu'un naturopathe, c'était un guérisseur? Personnellement, je fais une grande différence. Je crois que ce sera un des points sur lesquels nous allons... Oui. Nous ne serions pas allés vous consulter un guérisseur, mais par contre un naturopathe. Et nous nous en trouvons fort bien, puisque depuis 4 ans que mon mari a été vu par ce naturopathe, mon mari n'a pas eu une seule crise de goutte. Et ce, uniquement par des conseils de diététique, c'est-à-dire une discipline alimentaire et des histoires de plantes aussi. Des bains, Oui, il lui avait donné des extraits de plantes, des choses comme cela. Enfin, des choses tout à fait naturelles. Mais surtout, surtout, madame, une discipline alimentaire, des conseils diététiques. Voilà. Et vous-même, madame, est-ce que vous... Alors, moi aussi, il y a 2 ans, j'ai fait une dépression nerveuse. J'avais consulté un docteur de médecine générale qui était psycho... C'était pas encore le mot. Et il m'a... Après un long interrogatoire et des tests, il m'a dit « Je ne peux rien pour vous ». Il m'a cependant donné 2 médications. Je les ai achetées et j'étais impressionnée par cette grande bande rouge qu'il y avait sur les boîtes. Oui. Je suis curieuse de nature. J'ai ouvert ces boîtes, j'ai lu les notices et puis mon réflexe a été de mettre ces 2 boîtes dans le videur dur. Je l'avoue, je le confesse. Alors je ne peux pas dire que ces remèdes m'ont fait du mal. Oui. Je ne les ai pas pris. Et me souvenant des bons résultats obtenus par mon mari, j'ai pris rendez-vous auprès d'une naturopathe. Oui. Et voyez-vous, j'ai retrouvé mon équilibre et tout mon tonus grâce à lui. Mais on ne peut pas dire que la médecine traditionnelle ne vous a pas sauvé puisque vous ne l'avez pas essayé. Et je tiens à dire ici et publiquement que j'ai un grand respect, une grande admiration pour tout le corps médical. Et j'ai eu moi-même 3 opérations et j'ai eu qu'à me louer des chirurgiens qui m'ont opéré. Et j'entretiens les meilleures relations avec le corps médical et où je compte de très bons amis. Je crois que c'est sur ce point, Gilbert, que nous allons... Je crois qu'il faut commencer par essayer de comprendre. Et on va tout de suite demander à M. Marchessault si la question se pose. Oui, elle se pose la question. Est-ce que la naturopathie, c'est une médecine parallèle? Non pas, non pas. C'est une forme de vie qui permet de rester en bonne santé à l'aide des agents naturels. Ça n'a rien à voir avec une thérapeutique quelconque. Ça, nous sommes très formels dans nos groupes. Nous défendons à nos membres, praticiens ou autres, de faire de la médecine. La médecine est définie par la loi, c'est clair. Qui se livre à un diagnostic et qui donne conseil, un remède spécifique en fonction du diagnostic, fait de la médecine. Alors que fait le naturopathe ne fait pas cela. Le naturopathe, en fonction de sa philosophie, c'est-à-dire de son vitalisme, il conseille, en fonction surtout des tempéraments, il conseille des exercices, des régimes, des bains, des indications toutes physiothérapiques et générales, polyvalentes, qui permettent de redresser un petit peu le métabolisme, les métabolismes profonds. Mais à partir d'un diagnostic pas du tout. Nous n'avons pas besoin. Vous avez toujours besoin, quel que soit que vous soyez à Longiligne, à Bréviligne, un sanguin, un bilieux ou n'importe quoi, vous avez besoin d'avoir d'oxygène pour respirer, vous avez besoin d'aller à la selle 2 fois par jour, vous avez besoin d'avoir une colonne vertébrale bien droite, vous avez besoin de beaucoup de fonctions physiologiques qu'on oublie dans notre société actuelle. Oui, monsieur, je voudrais poser une question. Dans le cas précis que vient de nous raconter Madame Pinson, il s'agissait de crise de goutte, diagnostic donc. Oui. Madame, c'est très bien. Moi, demain matin, je vais pouvoir guérir pas mal de gens en leur conseillant un régime hypotoxique et draineur. C'est pas compliqué. Mais vous soignez une crise de goutte? Non, pas madame. Je soigne un métabolisme général que j'améliore en fonction des lois physiologiques qui sont celles de la vie. Vous avez écouté, madame, quand vous balayez votre pièce, il n'y a qu'une seule façon de balayer votre pièce. C'est de prendre la poussière avec un balai et de l'envoyer par les fenêtres et les portes. Si vous voulez faire de la santé, il n'y a qu'une façon, c'est d'entraîner les cols et les cristaux, c'est-à-dire les métabolismes, les métabolites, qui sont des déchets, des résidus de vos combustions internes, les expédier dehors par les 4 émonctoires. Et vous avez le service voulu, c'est-à-dire vous avez la peau avec ses glandes, les glandes sébacées, sudoripares, la couche basale, vous avez les reins, vous avez le foie et l'intestin, et vous avez les poumons. Faites marcher tous ces 4 émonctoires sans savoir ce qu'il se passe. Attendez. Je réponds là d'une manière précise à ce que vous demandiez au sujet du diagnostic, parce qu'il y a des réserves à faire.
Mais d'une façon générale, en ce qui concerne les gens en bonne santé, nous réussissons à les améliorer encore considérablement. Et si par malchance, il faut le dire, hein, une thérapeutique médicale a été mal appliquée, c'est possible, nul n'est infaillible, n'est-ce pas, hein, et que ces dames aient souffert d'une mauvaise médication ou d'une médication un peu abusive ou d'un médecin pressé, c'est la vie, vous savez, hein. Il y a des couturiers qui sont mal habillés ou des chausseurs qui sont mal chaussés. Hein. Eh bien, que ces dames, dégoûtées un petit peu, aient trouvé un allopathe qui leur conseille une bonne réforme de vie et que ça cadre avec l'ensemble de leurs dispositions, c'est la réussite. Hein. Mais cela ne veut pas dire que l'allopathie soit à rejeter définitivement et que dans l'avenir, il n'y aura plus que des naturopathes. Ça n'est pas vrai. Nous serions fort embarrassés de la situation. Hein. Oui. On peut demander tout de suite l'avis du docteur Moulin. Je crois que la médecine est une chose et que la naturopathie, que j'aimerais mieux appeler naturologie, en est une autre. Car ce que nous dit M. Marchesseau, c'est la description d'un certain nombre de mesures d'hygiène qui sont ou de l'hygiène alimentaire ou de l'hygiène de la peau ou de l'hygiène du bon fonctionnement de l'intestin, par exemple, qui effectivement permettent à l'organisme de mieux se porter, de mieux se développer. Mais il y a tout de même une distorsion entre ce que disait M. Marchesseau et ce qu'a dit Mme Pinson, car Mme Pinson nous a bien expliqué un cas de goutte. Or, il est bien certain que la goutte se traite, et ceci médicalement, par un régime approprié. C'est la base du traitement de la goutte, et d'autre part, par un médicament qui, à mon avis, est un extrait végétal qui est la colchicine. Donc je pense que là, le naturopathe qui a fait tout de même de l'exercice illégal de la médecine en prescrivant un traitement a en fait repris les notions habituelles du traitement de la goutte, c'est-à-dire le régime d'un côté, et d'autre part, probablement, il a utilisé quelque chose qui devait être à base de colchicine. Je ne pense pas. Non, docteur. Je ne discuterai pas sur le cas particulier, car tous les cas particuliers ne peuvent se discuter que sur dossier. Dans nos services et dans nos conférences, bien défendu de servir en phytothérapie des plantes toxiques. Docteur, vous avez dit... Ça, c'est une défense formelle. Vous avez parlé d'exercice illégal de la médecine. Cela veut dire que la naturopathie n'est pas reconnue, d'une part, et que d'autre part, ceux qui l'appliquent peuvent être poursuivis. Non, ça veut dire qu'un naturopathe donne des conseils d'hygiène ou des conseils de vie à son entourage, il n'y a aucun inconvénient. Mais de là à poser un diagnostic et à établir un traitement, alors là, il y aurait l'exercice illégal de la médecine. Et c'est là où est la limite entre l'exercice médical et la naturopathie. Eh bien, c'est bien cette frontière que nous appliquons à ne jamais dépasser. Nous sommes des hygiénistes et nous nous plaçons surtout avant la maladie. Alors pourquoi avoir choisi ce nom de naturopathe? Ça n'est pas moi qui l'ai choisi, monsieur. Si je l'avais choisi, j'aurais choisi un mieux. Mais c'est international, que voulez-vous? Il faut se plier aux règles internationales. Il y a une fédération européenne de naturopathie et il y a une organisation internationale de naturopathie en Amérique, avec des congrès annuels, etc. etc. Donc ils ne m'ont pas reconnu. C'est le cadre de l'exercice est tout à fait différent, puisque seulement en France, il y a une loi assez sévère sur l'exercice de la médecine. Mais dans les autres pays, il y a un courant de médecine libre, donc il n'y a plus de conflit du tout. Mais il est bien entendu qu'un naturopathe ne doit faire ni diagnostic ni thérapeutique spécifique, qui ne va appliquer que des méthodes d'intérêt général et par des procédés non nuisibles, et qu'il se place surtout avant la maladie ou après la maladie. Oui, mais non nuisible, ce qui peut être nuisible, c'est l'absence de soins dans un cas urgent. Non, madame, parce que vous avez le contexte, vous pensez toujours malade. Oui. Pour l'instant, moi, je ne pense pas malade, je pense avant la maladie ou après la maladie. Ah bien. Écoutez, j'ai noté deux exemples. Vous achetez une auto. Eh bien, il est à votre sagesse de savoir bien la conduire pour éviter qu'elle aille chez le mécanicien. Oui. Voilà ce que fait le naturopathe avant la maladie. Puis après la maladie, hein, on a appelé les pompiers, ils ont éteint le feu dans la maison. Que faut-il faire à ce moment-là? Eh bien, il faut remettre les meubles en place et tout. C'est le naturopathe qui intervient encore. Voilà pour ces deux exemples. Maintenant, il pourrait y avoir une troisième position. C'est la collaboration du médecin allopathe et du hygiéniste naturopathe. Pourquoi peut-elle se concevoir? Eh bien, c'est très simple. La dernière fois, j'avais cité le cas d'un pays en guerre, on va revenir là-dessus. La guerre, c'est ce qui se passe dans l'organisme au moment de la maladie. Tout le monde est mobilisé aux frontières, on fait la bataille contre le mal. Mais à l'arrière, les femmes, les enfants s'occupent du terrain général, c'est-à-dire ils moissonnent, ils font rentrer, ils font marcher les usines, etc. Eh bien, on peut très bien concevoir, dans la maladie, une part du fruit pourri et une part du fruit sain. Oui. Ce qu'il faut développer, c'est ce qu'il faut faire d'abord, c'est lutter contre la partie malade, si l'on peut dire, et collaborer pour la partie saine.
Voilà peut-être au troisième point, maladie, j'entends. Oui. Mais vous savez, nous ne sommes pas... qu'on nous laisse simplement l'hygiène, ça nous suffit largement. Madame Mercier voudrait poser une question. Mais vous dites que vous êtes contre tout ce qui est chimique, oui. En règle générale. Oui. Or, un certain nombre de maladies ne peuvent être guéries qu'avec des produits chimiques. Oui, madame, c'est très bien cette question. On est contre tout ce qui est chimique en tant que santé. Mais on tolère la chimiothérapie dans certains états de maladie. C'est très simple. On appelle les pompiers, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais après les pompiers, ben, il faut remettre les choses en ordre. Vous êtes obligé d'établir un diagnostic. Mais non, madame, je n'établis pas de diagnostic. Si quelqu'un de malade vient vous voir... Mais je ne vois personne de malade, madame. Je ne vois pas de malade. Je ne vois que des gens qui sont avant la maladie ou après la maladie, ou alors, quelquefois, en collaboration avec un médecin qui me dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Comment feriez-vous ce régime ou cela ?» Enfin, dans le cas de M. Pinson, dont nous avons parlé, il était bien malade. Oui, alors, madame. Et ce naturopathe ne l'a pas renvoyé vers un médecin, il l'a soigné. Madame, il pouvait le soigner sans savoir ce qu'il avait. Ce qui importait, c'est savoir si son médecin, s'il n'avait pas une maladie urinaire grave, une maladie pulmonaire grave, une maladie de peau grave, enfin les maladies fondamentales, hein, mais dans l'ensemble de toutes les autres maladies chroniques, il suffit de faire un bon régime de vie et beaucoup de choses s'effacent. Pas tout, c'est bien pour cela qu'il faut des allopathes, pas tout, mais beaucoup de choses s'effaceront, croyez-le bien. Oui, il ne faut tout de même pas être aussi optimiste, parce qu'il semble que vous fassiez d'une part la part de ce qui est de la maladie, et d'autre part la part de ce qui n'est plus ou qui n'est pas encore la maladie. Or, il y a tout de même un certain nombre d'états qu'il ne faut pas négliger, car il est possible qu'un état de santé apparent recouvre soit une maladie aiguë qui va commencer, soit une maladie chronique en évolution. Et alors, c'est là, je crois, où il faut tout de même être extrêmement prudent, et en donnant des conseils d'hygiène ou des conseils alimentaires, ne pas omettre tout de même de conseiller aux personnes qui viennent vous voir, d'aller consulter un médecin ou même de se faire examiner pour savoir si ce que vous lui conseillez est adapté à son cas. Si vous avez des diabètes, par exemple, insipides ou qui sont mal connus, n'attendez pas que le sujet devienne aveugle ou ait une artérite qui, quelquefois, se manifeste par peu de signes avant de l'envoyer vers le médecin. C'est l'état de maladie, ça. Hein? Dans cet état de maladie, en principe, nous ne devrions pas intervenir. Hein, suivant la loi française. Ce n'est pas notre rôle. Vous le dites en principe. Bien oui, parce qu'à l'étranger, il y a des tolérances beaucoup plus grandes. Hélas. Mais je parle, vous savez, il ne faut pas lui faire exagérer. Monsieur Nussio. Oui, pourquoi hélas, oui. Oui, pourquoi hélas. Pourquoi hélas? Parce que moi, je crois que la médecine française est suffisamment bien organisée pour justement permettre aux gens d'accéder aux soins dans les meilleures conditions et de ne pas risquer de tomber entre les mains, je ne parle pas pour les naturopathes, mais d'un certain nombre de charlatans qui se considèrent presque comme des médecins, alors qu'ils n'ont ni la culture scientifique, ni les qualités diagnostiques ou thérapeutiques pour faire des médecins. Je crois justement qu'un des avantages de notre législation, c'est de mettre les gens en garde contre un certain nombre de non-médecins qui voudraient faire de la médecine. Madame Foinon. Oui, alors à ce moment-là, moi qui étais tout le temps malade, je peux dire presque tout le temps, j'ai fait du rachitisme, j'ai fait des bronchopneumonies, j'ai fait de la dépression, j'ai fait de l'amaigrissement, des troubles digestifs en permanence, comment expliquer qu'après avoir retrouvé un équilibre uniquement par l'alimentation, je sois, j'appelle en bonne santé? C'était madame, bien un déséquilibre alimentaire. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne répondrai sur aucun cas particulier. Je ne suis pas là pour donner une consultation. C'est net. Là, c'est net. J'ai retrouvé ma santé en retrouvant un équilibre alimentaire. C'est votre avis. Je peux en avoir mais un non, autre. Non, ce n'est pas psychologique. Pas du tout. Alors, vous avez normalisé vos métabolismes. Ben voilà, madame, c'est voilà, tout. Ce n'est pas psychologique. Il n'y a rien de psychologique. Il y a quand même... Le docteur Moulin parlait tout à l'heure de frontières. Effectivement, cette frontière est délicate. Elle est très claire, vous savez. Elle est quand même un peu délicate. J'ai en tête un souvenir d'un fait divers qui n'est pas si lointain que cela. Ça se passait à Paris, où une famille ne consultait, et d'ailleurs, le personnage qui est en cause a été inculpé ensuite, qui ne consultait qu'un naturopathe, ou du moins, se prétendait-il naturopathe. Dans cette famille, un enfant est mort parce qu'on n'envoyait pas au médecin et qu'on n'utilisait pas la chimie, la chimiothérapie. Et les deux femmes qui faisaient partie de cette famille ont dû être envoyées à l'hôpital et dans un état très, très précaire. Alors, ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est que ces naturopathes, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Parce qu'il y a un conseil de l'ordre des médecins, oui. Il y a des examens pour ces médecins. Oui. Qu'y a-t-il en ce qui concerne les naturopathes? Il y a la Fédération française de naturopathie, alliée à la Fédération européenne et internationale. Oui, mais comment forme-t-on les naturopathes et quels pouvoirs ont-ils? Quelles sciences ont-ils acquises? On les forme par 4 ans d'études, par des séminaires, des cours, et quelquefois ils vont passer des diplômes en Angleterre ou en Amérique pour achever leurs études.
Pourquoi ne les passe-t-il pas en France? Parce qu'on n'a pas le droit, nous, de délivrer des doctorats en naturopathie. Bien sûr, mais ne pourrait-il pas s'inscrire dans une faculté de médecine? Mais l'enseignement n'est pas le même du tout. Nous sommes sur le plan de l'hygiène et vous êtes sur le plan de la pathologie. Oui. Vous comprenez? C'est tout à fait différent. Je voudrais vous faire comprendre d'un seul coup, par exemple. Ce qui nous intéresse, par exemple, c'est d'avoir une belle capacité thoracique, nous. Hein? Pour qu'un poumon puisse fonctionner d'une façon ample et majestueuse et procurer de l'oxygène et cracher toutes ses colles, le cas échéant. En pathologie, on ne s'occupera pas de ça. On s'occupera des lésions qui peuvent survenir sur la muqueuse respiratoire, etc., etc. Bon, ça, c'est une manière de faire, un comportement de scientifique matérialiste. Nous sommes des vitalistes. Nous pensons que si on fait respirer correctement les gens dans des conditions optimum d'oxygène, d'ozone, d'aromates, etc., la maladie deviendra moins agressive. Un point, c'est tout. Et vous soignez le terrain. C'est ça, madame. Vous avez dit le mot. Nous sommes au terrain. Ça s'appelle les humeurs chez nous. Ça s'appelle les humeurs, c'est-à-dire les liquides qui sont dans l'organisme. Ce qui fait qu'en épurant ces liquides, on a de grandes chances, on a de grandes chances d'aboutir à la santé. Monsieur Moulin. On en revient un petit peu à la théorie de Molière et de la trabile, de la bile noire qu'il fallait évacuer. Mais pour en revenir aux études que vous donnez, vous nous avez parlé tout à l'heure de capacité respiratoire. Alors je pense que vos études se basent d'une part sur une anatomie bien connue, et c'est long et ça demande du temps, sur une physiologie respiratoire, sur les indications à cette gymnastique respiratoire ou cette possibilité d'améliorer, et d'autre part aux contre-indications. Alors là, on entre sur un terrain médical. Si. Les contre-indications sont formelles. Lorsqu'un sujet se plaint de quelque chose, c'est le médecin qu'il doit aller voir. Vous comprenez? Oui, mais d'ailleurs, comment viennent vous voir les malades? C'est en se plaignant de quelque chose. Mais alors, monsieur, vous ne recevez que des gens en très bonne santé. Plutôt, madame. Oui, plutôt. Ce n'est pas ce que semble nous dire madame Poignon ou madame Vincent. Oui, madame, c'est des cas, ça, si vous le voulez, des cas extrêmes, hein, des cas limites à la frontière. Mais en général, ce sont des méthodes d'hygiène. Voilà. Est-ce qu'on a une méthode d'hygiène, justement, qui peuvent aller très bien sur certains sujets. À nouveau, je me suis rééquilibrée, si mais je puis oui. dire. C'est dans le cas particulier, uniquement d'hygiène alimentaire. Vous savez, il m'est arrivé de faire des conférences. J'ai retrouvé un équilibre. Il m'est arrivé de faire des conférences en public. Mon équilibre. Et le lendemain, de recevoir... ça aurait été trop vite, quand même. Mais quelques mois plus tard, de recevoir une lettre de félicitations d'une personne qui se trouvait guérie par mes conseils publics. Hein, ou d'avoir publié des articles ou des livres. Non, mais je pense que vous préconisez une hygiène alimentaire très saine, personne ne peut le récuser, cela, personne plus, ne peut se plus être contre. Oui, madame, il y a 10 techniques. Bien sûr, c'est cela, madame. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer les miracles que vous allez accomplir avec cela. Mais est-ce qu'on a besoin de spécialistes autres que les médecins habituels et parce que pour les médecins, nous préférer ce genre de parce que les médecins ne sont pas formés en faculté pour ce genre d'enseignement hygiénique, c'est tout. Je ne suis pas de votre avis, car il y a une année où on étudie l'hygiène. Il est possible que l'enseignement de l'hygiène soit peu suivi par les étudiants. Mais enfin, je sais que personnellement, j'ai participé à l'enseignement de l'hygiène lorsque j'étais moniteur à la Croix-Rouge. J'ai même écrit à l'époque un petit livre d'hygiène. Ce n'est pas de la publicité, car la publication est terminée. L'édition a été épuisée. Mais déjà à l'époque, on conseillait aux gens de savoir se servir du chauffage central correctement en aérant les pièces. On leur conseillait de faire de la gymnastique tous les matins, d'avoir des règles d'hygiène. Donc je crois que l'hygiène, effectivement... est enseigné. Ce qui se passe actuellement, c'est que la plupart des médecins sont axés plutôt sur la pathologie et sur les soins, et que, étant donné l'importance du nombre d'examens qu'ils ont à faire par jour, du nombre d'appels, quelquefois le dialogue entre le malade et le médecin peut être assez abrégé. Et il est bien certain qu'un certain nombre de conseils d'hygiène élémentaires, comme on nous l'apprend à faire d'ailleurs à la faculté, quand on rédige une ordonnance devrait comporter plusieurs pages, et elle devrait commencer par une hygiène de vie et une hygiène alimentaire. Je parlais tout à l'heure de la goutte, il est bien certain qu'une consultation chez un goutteux commence toujours par un schéma de régime avec l'élimination d'un certain nombre de produits et au contraire l'utilisation d'autres. Quelque chose m'intéresse beaucoup, moi, c'est le cas de M. Nuxio, qui est précisément le cas type dont nous parle M. Marchessault, puisque ça n'est pas un malade, et qu'il a décidé tout soudain de pratiquer la naturopathie. Est-ce qu'il ne pouvait pas tout seul? Et je crois que c'est là
que M. Marchessault pourrait nous répondre de façon intéressante. Est-ce qu'il ne pourrait pas tout seul décider de ne pas boire d'alcool, de ne pas manger de plats trop cuisinés? C'est une chose que l'on peut faire seul. Il y a beaucoup de gens qui le font spontanément. Mais alors, comment le naturopathe l'aide-t-il à ce moment-là? Eh bien, par ses conseils. Par ses conseils, par ses articles, ses conférences, ses lectures qu'il peut vous transmettre. Parce que... Vous savez, c'est un tout. Par exemple, prenons la diététique. D'ailleurs, la diététique est très mal nommée. C'est la nutrition qu'il faudrait dire. Oui, parce que c'est l'art de vivre, et la diététique, c'est une éthique de la diète, c'est l'art de jeûner. C'est tout à fait différent. Mais enfin, vous avez là toute une gamme de méthodes. Vous avez les régimes secs, vous avez les diètes sèches, les diètes humides, vous avez les monodiètes, vous avez les régimes balancés, les régimes dissociés de Shelton, dont vous nous parliez tout à l'heure. Hein? Et bien, il y a encore toute une gamme de méthodes variées qui vont des végétaliens jusqu'au carnivorien. J'ai un ami qui est pharmacien à Marseille, c'est un carnivorien type. Hein? L'ennemi pour lui, c'est la farine et c'est le fruit. On n'amène pas de l'eau au moulin un jour d'inondation, il ne faut pas amener de glucides, nous sommes tous des hépatiques. Hein? Donc, il est carnivore 100%. Il a sa théorie, ça vaut quelque chose. Et puis un autre sera végétarien, un autre sera crudivorien, fruitarien, céréalien. Il y a donc tout un éventail. Et mon rôle à moi, au rôle des naturopathes, c'est de rassembler tout ça, de le disséquer, de voir ce que ça peut contenir, et l'avantage qui convient pour chacun des sujets en fonction de leur tempérament, surtout. Voyez-vous. Et les tempéraments, c'est très facile à délimiter, madame. Oui. Vous avez deux types de tempéraments. Celui qui va se rétracter à longueur de sa vie, qui va finir un tout petit vieux bien sec, et celui qui va se dilater, s'arrondir. Vous êtes un monsieur qui se dilate, un digestif qui se dilate. Vous allez être un monsieur qui va se rétracter tout doucement, et finir tout vieux et tout bossu, carbonique, si vous ne prenez pas garde. Non, mais c'est une perspective, monsieur. C'est une perspective, voilà. Et alors, en fonction de ces deux choses-là, à l'un, il faudra de l'eau froide. À celui-ci, de l'eau chaude. Vous comprenez? À celui-ci, il faudra ne pas enlever la viande, parce qu'il en a impérieusement besoin. À celui-ci, attention, le foie ne supportera pas. Voilà, ça s'appelle... Vous voyez ça comme ça. C'est de la typologie, madame. Mais achetez le bouquin du docteur Formant et lisez-le, vous serez convaincu après moi. Je crois que madame Mercier voulait poser une question. Est-ce que vous ne prescrivez pas des médications? Ah non, madame, c'est pas de mon rôle. Vous n'utilisez aucun... Ah non, madame. Aucune plante, aucune... Les plantes non toxiques, quelquefois. Les plantes non toxiques, comme je conseillerais d'activer l'intestin avec un peu de bourdelle. Mais ça, c'est n'importe qui peut aller en pharmacie, acheter un peu de bourdelle. Hein. Bon, enfin, comment est-ce que vous pouvez dire, monsieur, en regardant Gilbert Kahn, qu'il doit avoir un foie sensible et madame, parce qu'il est jaune. Parce qu'il est jaune, madame, et l'autre est rouge. C'est tout, c'est clair. C'est mon maquillage. Je vous connais, vous êtes un neuroarthritique. Voilà votre évolution. Mais ça s'appelle de la typologie, madame. C'est Sigo et Toris et tant d'autres qui ont mis la mode au pays. C'est pas moi, voyons. Étudier les études de morphologie. Il y a un institut, je crois, de morphologie qui fonctionne à Paris. On apprend tout cela. Est-ce que vous n'avez pas posé quelques diagnostics, là? Non, j'ai fait de la typologie. Docteur, vous savez, je ne suis pas. Non, messieurs, dames, vous êtes infiniment sympathiques, mais je n'ai pas fait de diagnostic. Si j'avais dit, monsieur, vous allez faire une hépatite virale, monsieur, vous allez faire une colite, monsieur, vous allez faire une néphrite, j'aurais fait un diagnostic. Vous avez dit à Gilbert Kahn qu'il était un hépatique. C'est l'évolution de son type de maladie, de sa typologie. C'est une conception théorique des choses, car il y a tout de même plusieurs types. Bien sûr, il y a des mélanges de types. Bien sûr. Il y a des mélanges à l'intérieur des types. Alors, c'est un schéma qui, au départ, paraît extrêmement satisfaisant, mais si l'on en arrivait à des conclusions aussi faciles et aussi précises, j'ai voulu simplement faciliter l'exposé. C'est beaucoup plus délicat, parce qu'on parle de vestibule ouvert, de vestibule fermé. Si vous avez des très beaux yeux sur un visage très aplati, vous avez plus de vitalité que si vous avez les yeux tout enfermés, enfoncés, etc. Si vous avez des lèvres bien dessinées, vous échappez à la rétraction ou à la dilatation. Vous comprenez? Il y a des faits secondaires. Enfin, c'est le livre classique du docteur Cormand. Je ne veux pas faire de publicité, mais ça mérite d'être lu. C'est très bien. Un livre qui est intéressant. Il ne faut pas oublier non plus qu'on peut modifier ses réactions, étant donné qu'il y a tout de même des éléments d'intelligence et de volonté qui peuvent agir par-dessus le type et modifier les réactions. Mais nous en tenons compte. Il faut en tenir compte. Docteur, j'en viens toujours au même point. Est-ce qu'il n'y a pas dans la médecine traditionnelle des médecins ou des spécialistes qui justement s'occupent de prescrire des régimes comme nous parlait tout à l'heure M. Marchessault? Si, bien sûr, vous avez un certain nombre d'hygiénistes ou de médecins qui s'intéressent essentiellement
au régime. Vous avez par exemple les gérontologues qui s'occupent des gens âgés, qui ont indiscutablement un axe de pensée qui va toujours vers le régime, parce que là, c'est extrêmement important, car vous avez des vieillards qui ont besoin de certaines nourritures, d'autres qui, au contraire, n'en ont pas besoin. Vous avez, d'autre part, alors, toutes les réactions biologiques qui peuvent exister chez un vieillard, les excès d'urée, de cholestérol, de sucre, et qui nécessitent des régimes particuliers. Donc vous avez des médecins qui sont très axés sur les notions de régime, sans compter les diabétologues qui, évidemment, ont à la base de leur thérapeutique un traitement équilibré avec un minimum de sucre en général. Alors, il n'est pas besoin d'avoir à côté des médecins traditionnels des naturopathes qui enseignent la même chose que pourraient enseigner des médecins. Ne me faites pas dire ça devant M. Marchessault. Je pense qu'il est nécessaire peut-être qu'autour de nous, il y ait un certain nombre de gens qui rappellent à leurs concitoyens qu'il y a des règles d'hygiène élémentaires qui consistent à savoir s'aérer, à aller se promener dans le courant de la journée, à faire de la gymnastique, à manger intelligemment, à aller à la piscine de temps en temps. Ça, je crois que c'est nécessaire, mais ce sont des règles qui devraient être celles de tout le monde, mais qu'on oublie dans notre civilisation industrielle. Monsieur Luxio voudrait dire quelque chose. Elles sont toutes très intéressantes, mais qu'on oublie parce qu'on ne nous les enseigne pas. Par exemple, bien manger, c'est pas si évident que ça. Sortir, prendre l'air, c'est même pas évident intellectuellement. Quand on est enfermé dans son système, pour se dire, il faut que je m'arrête, je vais respirer un coup, je vais être comme ça, c'est pas permis à un certain nombre de gens, et même quand ça nous l'est permis, on n'y pense pas nécessairement, quoi. Alors toutes les règles que vous connaissez peut-être parfaitement, il faudrait au moins des gens qui en informent le public. Ouais, et puis à la limite, moi je comprends, enfin peut-être mon incompétence ou mon incurie font que je ne comprends pas que pourquoi on s'attarde sur le fait du diagnostic. Si admettons, je vais voir un naturopathe et même qu'il triche par rapport au fait du diagnostic, s'il me guérit, mais pour moi c'est tout ce qui compte. Évidemment, si c'est un charlatan qui m'indique quelque chose d'absolument aberrant et qu'il me détruit, d'accord. Mais le charlatanisme aussi, on le respire quand on va voir quelqu'un et qu'on discute. Mais écoutez, enfin, je ne veux pas du tout entrer dans une politique de dans une guerre de chapelle, mais le seul naturopathe que j'ai vu, au moins, j'ai pu discuter avec lui. Tous les médecins que j'ai vus, j'ai pas pu discuter avec eux. Ça m'était très difficile. Non, mais là, on s'égare sur un terrain sur lequel je ne vous suivrai pas. Il est certain qu'il est quelquefois très difficile de discuter avec un certain nombre de médecins quand ils sont surchargés de travail. Il y a certains moments où ils le sont moins. Il m'arrive très souvent de pouvoir discuter un certain temps. D'autre part, il y a tout de même une chose chez vous qui m'inquiète. Vous me dites, moi, je suis capable de renifler un petit peu le charlatan. Et d'un autre côté, vous m'expliquez que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui vous convient dans la vie courante. Moi, c'est ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne étant que ma génération a appris tout de même que la nature existait, que le soleil était une bonne chose, que l'eau était une bonne chose. Alors je ne vois pas comment, et vous partez en vacances de temps en temps, vous allez au bord de la mer, vous vous baignez, donc vous vous rendez compte que le soleil est quand même meilleur que l'endroit où il n'y a pas de soleil. Mais vous vous rendez compte que sur votre corps, les effets du soleil sont bénéfiques, et qu'au contraire, quand vous restez dans l'obscurité, vous n'êtes pas bien. Ben, je crois que c'est ça ce qu'il faut redécouvrir. Oui, mais pour c'est le bénéfice de l'eau, du soleil, de l'air. Mais pour le redécouvrir à la quantité exacte, ça, c'est pas si évident que ça. Bon, intuitivement, alors, je ne sais trop comment je suis allé vers Shelton, enfin, vers la dissociation alimentaire, je l'ai fait de manière excessive, et à ce moment-là, il y a eu des minéralisations, et j'ai eu 2 ou 3 dents cariées à la suite de ça. Oui, mais attention, alors là, vous vous lancez dans des interprétations dans lesquelles je ne vous suivrai pas. Ne m'y suivez pas, mais si, peut-être avec un médecin normal ou avec quelqu'un de compétent, j'avais pu discuter de ça, discuter de ce que je sentais et de ce qu'il aurait fallu que je fasse, peut-être les choses seraient allées bien tout de suite, mais avec le médecin qui m'avait traité, par exemple, pour de l'arthrite, qui m'a fait subir des antibiotiques 2 ans, qui m'ont démoli le foie, je ne pouvais pas discuter de ça. Vraiment, je n'avais pas le droit. C'est pas mon métier, c'est pas mon boulot. Je ne reviendrai pas là encore sur un cas particulier, car là, il faut avoir tout le monde. Par exemple, vous allez comprendre très bien la position du naturopathe. Vous avez un puits. Sur ce puits, il y a une roue. À cette roue est accrochée une chaîne. La chaîne grince. Et la chaîne, on la tire de travers. Au bout d'un certain temps, il va y avoir un maillon qui va craquer. La thérapeutique, le diagnostic, c'est de rechercher le maillon qui claque et de le changer. Pour nous, on dit attention, la roue va de travers, on tire la chaîne de côté, il faut tirer tout dans l'axe et on met tout dans l'axe et on n'a plus besoin de changer les maillons.
Voilà ce que je voulais vous dire, en clair. Hein. Oui, mais si le maillon est rouillé, il cassera. Bien sûr, mais je n'ai pas dit. Mais non. C'est encore une fois de plus un effort pour me faire comprendre et faire comprendre nos positions respectives. Hein. C'est une image. Hein. Elle n'est pas totale, elle ne va pas à fond. Non, mais ça suppose un double examen, l'examen des maillons d'une part, et d'autre part l'examen de l'axe de la roue, l'un n'empêchant pas l'autre. Oui, c'est pour ça que la collaboration entre allopathe et naturopathe est tout indiquée. Je voudrais poser une question à Mme Foinon et une question à Mme Pinson. Vous d'abord, Madame, est-ce que vous voyez un médecin allopathe de temps en temps, depuis que vous êtes soignée par... Je vois un hygiéniste. Vous voyez votre hygiéniste Oui. Et vous, Madame, depuis vous avez une année, de voir j'ai un médecin. Mon mari. Votre hygiéniste. Mon mari. Vous ne voyez plus de médecin, n'est-ce pas? Moi, je n'en vois plus. Pourquoi de médecin. Non, Madame Foinon n'en voit plus. Alors, vous, Madame, vous en voyez. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du cas que je vous ai présenté. Votre mari. Mon mari. Si, bien sûr, mon mari continue de voir le docteur. Il continue de voir son médecin. Oui. Pour les mêmes raisons, pour la même maladie. Mais mon mari n'a plus de goutte, madame, depuis 4 ans, je vous l'ai dit. Il l'a vu pour d'autres choses. Donc, il a besoin de son médecin. Mais je ne l'ai jamais nié. Je n'ai plus besoin de médecin. Mais c'est intéressant de demander à madame Foinon pourquoi elle nous dit ça. Oui, justement, parce que je n'ai aucun médecin depuis des années, aucun médecin n'arrivait à me redonner cet équilibre que je recherchais depuis tout le temps. Et c'est avec cet hygiéniste que j'ai trouvé. Donc, je n'ai plus besoin d'aller voir un médecin. Je sens que je n'en ai pas besoin. Et si vous étiez à nouveau malade, madame, mais, écoutez, me plaise, vous iriez spontanément vers votre hygiéniste. Ah oui, parce que je ne pense pas qu'un médecin maintenant pourrait me guérir. Oui. C'est impossible. Mais il ne faudrait pas qu'il outrepasse sa fonction, votre hygiéniste. Ah, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà tout bien est sûr. Là. Enfin, normal, disons, en principe, cet hygiéniste devrait suffire maintenant pour les petites indispositions bénignes que je pourrais avoir. Car je ne devrais pas avoir de grandes maladies. C'est le stade avant la maladie. Oui, vous êtes très je ne devrais pas avoir... Complètement remise d'aplomb. Je ne peux pas l'affirmer, on ne peut pas l'affirmer. Vous pensez. Je pense que je suis remise. Est-ce que vous avez fait faire des contrôles médicaux Avant, j'avais fait faire des contrôles. Mais après, depuis que vous êtes... Oui, j'en ai fait faire un justement pour une histoire de sport, de gymnastique, un peu de jambes, et j'avais été obligée de faire des analyses, et tout va très bien, évidemment. Tout est normal. Par rapport aux examens qui avaient été faits avant que vous ne soyez traité, il y a eu un gros changement. C'est-à-dire, tout est redevenu normal. Non, il s'agissait d'analyses de sang. Oui, de toutes sortes, analyses de sang, analyses uriques, enfin, je ne sais trop ce que l'on et fait. Les chiffres étaient différents avant et après. Je ne peux pas vous donner des faits absolument précis. Mais enfin, moi, disons, instinctivement, je le ressens déjà. Ah oui, l'instinct est une chose et les faits. Ah non, une autre. Pour moi, c'est très important. Ah oui, non, mais vous vous sentiez bien. Et en bon équilibre, c'est certainement l'essentiel. Je me sens guérie, donc j'estime que. C'est certainement par rapport à toutes ces années où j'étais tout le temps malade, j'estime qu'il y a donc une. Oui, non, mais certainement, il y a un très bon équilibre. Voilà. Je n'irai pas dans votre interprétation. D'autre part, il serait intéressant de pouvoir comparer les chiffres de laboratoire avant et les chiffres que vous auriez maintenant pour voir s'il y a une différence. À la lumière de ce que vient de dire Mme Foinon, il y a quand même un côté dangereux à ce que représente votre groupe. Oui, quand on se permet de dépasser la frontière qui est la nôtre. Oui, mais Mme Foinon, qui a apprécié le traitement qui lui a été donné, nous dit aujourd'hui, je préfère aller voir mon hygiéniste que d'aller voir un médecin. Oui, Mme Joannon se trouve dans le cas spécial de la dame qui a subi de nombreuses médications et vu pas mal de médecins et qui est un peu découragée. Oui, exactement, c'est ça. J'ai été découragée. Alors, elle a dit à quoi elle a été vers le naturopathe, lequel lui a dit... En désespoir. Il se peut que ce naturopathe lui a dit donc voir votre médecin. Elle a dû dire, madame, mais j'en ai déjà vu assez de médecins. C'est sans doute ce que vous avez dû dire. Exactement. Hein. Alors, le naturopathe s'est permis... Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout. C'est permis, madame, de vous donner une méthode d'hygiène générale qui vous a réussi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, moi je trouve ça très bien. Est-ce qu'il y a des médecins dans votre groupe? Moi j'avais déjà mon dernier conseil d'administration, j'avais 4 médecins. 4 médecins allopathes qui étaient mes vice-présidents. Ils ne le sont plus maintenant, j'ai simplement un seul médecin comme vice-président maintenant. Les autres ont monté un groupe parallèle de thérapeutique naturelle. Ils étaient libres d'organiser leur entreprise comme ils l'entendaient. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vous ont rejoint. Oui, puis après, ils se sont séparés. Ils se sont séparés pour... Pour faire davantage de médecine, alors que moi, je voulais rester sur le plan de l'hygiène. Mais à l'époque où ils étaient avec vous, monsieur, c'est qu'ils considéraient que votre enseignement pouvait être complémentaire Oui, madame. Mais nous avons des conférences annuelles et des congrès internationaux. Il y a plein de médecins, des Allemands, des professeurs de faculté et tout. La naturopathie n'est pas une petite chose, vous croyez-le bien. Il n'y a qu'à lire Shelton et vous comprendrez. Il n'y a qu'à lire le docteur Carton, qui est un Français. Hein, lisez les travaux de Carton, ben vous vous mettrez à genoux devant les travaux de Carton, c'est magnifique. Hein. Lisez les travaux des docteurs André et Gaston d'Urville, qui sont toujours vivants. Eh bien, ils ont fait des très belles choses.
Hein? Et puis, enfin, vous avez... Tous les allopathes ne sont quand même pas d'accord. Vous avez d'un côté les allopathes, puis de l'autre côté les homéopathes. C'est pas la guerre à boulet rouge, mais c'est quand même une petite guerre intérieure, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est donc qu'il y a des reproches qu'on peut adresser à certains abus peut-être médicamenteux. Et nous, là, nous allons avec les homéopathes. Nous pensons que la surmédication... Et je ne suis pas le premier à avoir tapé sur la surmédication. Hein. Vous avez le professeur Faure, vous avez Rostand, vous avez Mauriac, le professeur Mauriac, qui a dit avec j'ai des citations. Il y a aujourd'hui trop d'injections et de médications toxiques. Il faut que l'organisme soit vraiment admirable pour résister à toutes ces agressions. Voilà ce que dit le professeur Faure. Il existe actuellement une débauche de sérum-thérapie, de vaccinothérapie à faire frémir. On introduit dans les organismes des microbes, des albumines étrangères, sans s'occuper du terrain. Ça, c'est Mauriac. Etc., etc., je ne voudrais pas. D'ailleurs, la grande presse s'est fait l'écho de ce que je dis aujourd'hui. Le danger de la surmédication. On peut dire que c'est bien sûr très séduisant pour l'esprit, monsieur, une médecine naturelle. Je parle d'une hygiène, madame. Hygiène naturelle. Attention, là, ce sont des citations qui sont prises dans différents textes. Le professeur Mauriac a utilisé, comme tout un chacun, je pense, les vaccins ou la pénicilline. Je crois qu'il est difficile de tirer les phrases. D'autre part, je voudrais tout de même vous préciser dans les rapports de nom. De la débauche. Oui, la débauche en tout est condamnable. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est tout. D'autre part, je voudrais tout de même vous rappeler, c'est la proportion qui existe tout de même entre le nombre des allopathes, le nombre des homéopathes. Il y a tout de même 65 000 médecins qui exercent en France, dont un certain nombre de spécialistes chirurgicaux, et il y a relativement peu d'homéopathes, ce qui fait que je crois qu'on ne peut pas tout de même opposer systématiquement l'un à l'autre. L'homéopathie est une méthode thérapeutique, nous en avons d'ailleurs discuté ici, qui est réservée à peu de personnes, à peu de médecins, parce que ça ne débouche pas actuellement dans la forme de civilisation dans laquelle nous vivons. Ce qui fait que l'allopathie, fatalement, va passer pour quelque chose qui sera agressif, parce qu'il y a beaucoup plus de prescriptions allopathiques que de prescriptions homéopathiques. Donc, fatalement, on trouvera beaucoup plus de cas sur lesquels il y aura à redire, vraisemblablement, que dans l'homéopathie. Mais je ne crois pas qu'il faille opposer ces deux méthodes, car vraiment, la façon de pratiquer habituelle en France, c'est tout de même la pratique de l'allopathie. Oui, mais alors que l'on ait des compléments homéopathiques, et là nous discutions de l'homéopathie sur ce plateau il y a quelque temps, ce qui serait intéressant, c'est de comparer, en ayant des cas similaires, les possibilités de l'homéopathie par rapport aux possibilités de l'allopathie, et éventuellement d'avoir des possibilités de comparaison sur le plan scientifique, avec des méthodes qui utilisent, par exemple, des méthodes comme la vôtre, c'est-à-dire des régimes, des méthodes naturelles, mais sans pour cela négliger le côté scientifique, c'est-à-dire que le malade souhaite pas, la personne, malade ou non malade, soit examinée à fond, c'est-à-dire qu'on élimine toute cause de maladie qui ne soit pas connue et que l'on puisse donner les traitements approprié et qu'on puisse donner surtout ces traitements naturels les comparer éventuellement à des traitements allopathiques, homéopathiques. C'est un complémentarisme, mais ça n'est pas un antagonisme. Voilà, madame Mercier voudrait poser une question qui me semble très intéressante. Oui, vous êtes contre la pilule, puisque vous êtes contre les produits chimiques. Oui, je suis contre la pilule. Je pense qu'on est en train de briser un cycle hormonal auquel il ne faudrait pas toucher. Je pense qu'il y a des procédés mécaniques de contraception qui ne sont pas naturels. Non, madame, qui ne sont pas naturels, mais je n'ai pas toujours dit qu'il fallait vivre essentiellement nu, le corps au soleil, sur les boulevards à Paris non plus. Nous sommes bien d'accord. On peut tendre vers des méthodes naturelles et à pas avoir les deux pieds sur la terre et savoir où l'on va quand même. Je crois qu'il est temps pour nous de conclure à cette conclusion. Je voudrais quand même la demander au docteur Moulin. Je voudrais qu'à la lumière de ce qui s'est dit ici, des cas qui ont été présentés par nos téléspectatrices, par les arguments qui ont été présentés par M. Marchessault, vous tiriez un petit peu à la conclusion et que vous mettiez peut-être, sinon en garde, que vous expliquiez clairement aux gens devant quel tableau ils se trouvent et quel choix ils ont à faire. Bien, je crois que cette méthode naturelle est une méthode essentiellement d'hygiène, que c'est une méthode essentiellement préventive avant maladie ou après maladie. Je veux bien reprendre le schéma de M. Marchessault. Que cette méthode de traitement permettra certainement d'améliorer l'organisme et probablement lui donner un certain nombre de possibilités de meilleure résistance contre un certain nombre de maladies. Je ne dis pas toutes, mais un certain nombre. Je me rapproche tout de même de votre point de vue. Mais je voudrais mettre en garde tout de même les téléspectateurs contre une croyance trop absolue
dans des méthodes qui sont tout de même limitées et dans leurs possibilités et dans leur application, et surtout ne jamais négliger, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme, la consultation au médecin, ce qui ne les oblige pas toujours à suivre aveuglément les prescriptions du médecin. Ils peuvent en discuter avec un autre, ils peuvent en discuter même éventuellement avec leur entourage, mais je crois que la consultation au médecin, le bon examen, une bonne thérapeutique sont quelquefois indispensables et il ne faut pas les négliger, c'est-à-dire se fier totalement à une méthode qui peut donner beaucoup de choses mais qui ne peut pas tout donner. Merci docteur. Merci à vous aussi d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, mesdames, d'avoir posé des questions tellement pertinentes. Madame, est-ce que vous êtes convaincue, vous allez devenir naturopathe, adepte de la naturopathie? Présenté tel que ce vient d'être présenté, ça ne me paraît pas dangereux, a priori. A priori. Ça ne m'empêchera pas d'aller voir mon médecin. Vous allez gagner au point de vue, sur le gouvernement, au point de vue de la sécurité sociale, vous allez alléger le budget national. Eh bien, cette émission, vous nous l'aviez demandé, nous vous l'avons donnée. Nous espérons que nous avons répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur le sujet. Nous vous souhaitons de passer une excellente après-midi. Au revoir.